Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je l'avais promis, avec l'essai du Peugeot GT10. Si vous n'avez pas vu la vidéo tuto, elle est sortie juste avant, donc les amis, allez la voir. Donc bah voilà, ça je vous l'ai dit, c'est encore en rodage, donc on va ouvrir l'essence. Hop, là on est bon, et on va le démarrer. Allez, donc on va essayer sans starter parce qu'il fait pas froid. Et voilà les amis, du premier coup. Et ça tient le ralenti, quand c'est neuf, il n'y a rien à dire. Allez voilà les amis, ça y est, je suis monté dessus, on est parti. Alors John m'a prévenu, le compteur ne fonctionne pas hein. D'accord, il y a un petit souci, pourtant tout est neuf, mais il doit y avoir un petit souci de câble ou de compteur. Ça peut être neuf et un peu abîmé. Mais donc voilà, là on est parti pour un petit test, donc on va le faire chauffer tranquillement. Et bien sûr on se fera une petite vitesse de pointe. En tout cas confort, super. Moi je suis à 1m70, alors je vous avoue que c'est plutôt agréable. C'est une petite machine, c'est cool. Et en termes de confort on est bien. La selle biplace c'est grave confortable. Il y a les suspensions. Niveau bruit, moteur d'origine, ça fait vraiment pas de bruit. Donc là, il n'y a rien à dire. Et il marche vraiment bien. On va y aller doucement, si je vous le dis, il est encore en rodage. Mais une fois qu'il sera chaud, on va lui faire faire sa petite vitesse de pointe. Wouh! Ah, excellent les amis, c'est excellent. J'adore, c'est trop trop bon. Franchement, si vous avez la chance un jour d'en conduire un, conduisez-le. Moi c'est mes premiers tours avec, c'est moi qui l'avais acheté pour information. J'ai dégoté ce GT10, donc je voulais presque le prendre pour moi, et mon pote John a dit qu'il kiffait le truc, du coup je l'ai acheté. Et donc c'est cool, bah, et je lui ai revendu tout de suite derrière, en fait je l'ai acheté pour lui, hein, clairement ça va être ça. Donc voilà, et du coup ça lui a permis d'avoir son GT10, et donc moi je ne l'ai pas eu. Mais bon c'est pas grave en soi, hein. Lui ça lui faisait plaisir. Puis vous voyez là j'ai l'occasion de l'avoir, il me le prête, donc ça c'est plutôt cool. Allez voilà les amis, je me suis fait la petite vitesse de pointe, mais je l'ai fait avec les deux mains, c'est pas ma machine. Donc voilà, les deux mains sur le guidon, donc j'ai trouvé une petite rue bien à plat où j'ai pu prendre la petite pointe. Donc on va voir ce que ça dit, et là je suis à la montée, clairement ça monte, je suis gaz à fond, et il monte très très bien. Il a pas calé, il perd pas de régime, je sais pas à quelle vitesse je suis, mais en tout cas ça grimpe sans souci. C'est franchement du régal les amis, je kiffe. Une bonne petite machine, hein. Franchement c'est énorme. Allez, allez les amis, on va donc en rester là pour cet essai, hein. Je vais pas trop lui accaparer son GT10 et je vais m'arrêter, on va regarder tout de suite les données, hein. J'avais mis mon smartphone avec les données, on va regarder ce que ça dit, ce qu'il en est pour le GT10, voir la vitesse qu'on a pris en pointe sur le plat les amis. En tout cas ils tomberont, regardez, on s'arrête, il est bien chaud, c'est nickel réglé. Voilà, je vous fais un petit tour en image pour ceux qui n'ont pas vu le tuto. Voilà le GT10 les amis. Ralentit un peu haut, ça entraîne la roue, mais c'est pas grave, il fonctionne. Excellent. Ça, c'est bon. Le klaxon fonctionne. L'éclairage fonctionne aussi, regardez. Voilà. Je vous l'ai dit, il a été refait à neuf. À part le petit souci de compteur, on est bon. Donc maintenant, on va donc fermer l'essence et le couper. Et ben voilà. Allez les amis, donc combien donne ce GT10? Et ben je viens de regarder sur le smartphone, hein, là j'ai l'application et on est à 51,1 km/h. Donc voilà, c'est vraiment plutôt bien. Et je vous l'ai dit, c'est une machine qui est encore en rodage. Donc voilà, on pourra peut-être encore gagner un petit peu avec le temps, quand le kitchen, quand tout aura pris sa marque. Mais là, aujourd'hui, on a une pointe à 51,1 km/h. C'est plus qu'honorable pour ce GT10. Allez voilà les amis, et ben voilà l'essai qui se termine pour ce GT10. En franchement, je vous l'ai dit, si vous avez l'occasion, testez-en un, parce que c'est franchement cool à conduire. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.